Aux urgences de Nîmes, pour réduire la tension sur les lits, le CHU et l'HAD 3G Santé organisent des sorties directes en HAD en moins de 24 heures. Cette réactivité est possible grâce à la coordination étroite des équipes du CHU et de l'HAD 3G Santé. Tout commence aux urgences à 8h30 avec l'infirmière de liaison de l'HAD. Je suis Mélodie Dealmeda, infirmière coordinatrice de liaison au sein de l'HAD 3G Santé. Dès mon arrivée aux urgences, donc le matin à 8h30, je prends connaissance de la liste des patients en zone d'attente d'hébergement à partir d'une fiche synthétique qui est établie par le cadre des urgences. Donc j'identifie les patients qui sont éligibles à l'HAD. Ensuite, j'assiste au staff où il y a la relève des patients qui est faite par les médecins urgentistes. Je prends connaissance du dossier informatique des patients avec le médecin des urgences. Et là, c'est une concertation entre tous les deux pour évaluer la pertinence et la faisabilité du retour au domicile du patient. Je fais donc une évaluation globale du patient à son chevet. C'est à ce moment-là que je prends toutes les informations sur le patient. Je m'appelle Margot Chabanon, je suis un des médecins aux urgences SAMU-SMUR du CHU de Nîmes. J'interviens dans l'évaluation ou la réévaluation du patient. Donc après, il me reste juste à compléter le dossier médical et à tamponner les ordonnances et les bons de sortie. Les clés de la réactivité et de l'efficacité de l'HAD, c'est véritablement la présence de l'infirmière dans les urgences à nos côtés. On se connaît, on sait comment on travaille, tout roule facilement et simplement. J'envoie ensuite la demande d'admission sur un groupe sécurisé avec messagerie instantanée qui est PandaLab, qui nous permet de communiquer et d'échanger en temps réel. Dans ce groupe, il y a tous les intervenants à la prise en charge, c'est-à-dire la secrétaire médicale, l'infirmière d'installation de l'HAD et le médecin coordinateur de l'HAD. Je suis le docteur Jean-Sébastien Grelu, médecin praticien d'HAD sur 3G Santé depuis plus de 3 ans et chef de service de la structure. Je me mets en lien avec l'infirmière de liaison qui est elle physiquement sur place aux urgences. Et ensuite, je prends connaissance de tout le dossier médical. Je rédige en une heure maximum, idéalement, tout le dossier du patient dans le DPI avec les ordonnances et un mot de synthèse médicale. Une des clés, c'est d'avoir effectivement un travail d'équipe et surtout de collaboration et de relation de confiance entre la structure des urgences et l'hospitalisation à domicile. Je m'appelle Johanna Leroy, je suis infirmière coordinatrice d'installation du SAU à l'HAD 3G Santé. Dans un premier temps, je relève tous les intervenants qui ont été enregistrés par Mélodie et j'appelle les prestataires de matériel au niveau hôtelier et également les prestataires pour l'oxygène en fonction des besoins des patients. J'appelle également la pharmacie de ville pour récupérer les traitements habituels du patient. Je crée un panier, donc c'est une liste de petits matériels médicaux qui sera nécessaire à la prise en charge que j'envoie à la logistique pour préparation. Je récupère également les médicaments pour les premières 24 heures de traitement et si c'est du soin palliatif, je peux être amenée également à récupérer une mallette de médicaments sécurisée. Je récupère également du coup la colonne du petit matériel et ensuite nous partons au domicile avec l'aide-soignante d'installation SAU. La coordination et la réactivité des professionnels permet de libérer des places aux urgences tout en assurant l'hospitalisation au domicile des patients en toute sécurité.